嗯。 à toutes et à tous. Alors nous nous retrouvons cette année autour du thème de l'opéra français au cœur de la culture européenne du 17 au 20 siècle, un cycle de douze conférences que je partage avec Mme Guiton Lanquet que vous connaissez. La différence par rapport aux années précédentes, c'est qu'il n'y aura pas la première partie. Par Madame Lanquet et la deuxième par moi, mais nous alternerons euh, suivant euh, nos spécialités et les moments forts euh, de l'histoire de l'opéra. Alors euh, personnellement, je commencerai avec euh, un compositeur européen, Christophe Willibald Gluck. Euh, C'est un compositeur favori de Marie-Antoinette qui vient à Paris, et plutôt à Versailles, déjà sur le tard, et euh, qui va euh, proposer à la scène française euh, un certain nombre d'ouvrages comme euh, Alceste, Iphigénie, euh, Antoride, Iphigénie Anolide, euh, Orphée Eurydice, qui vont. Euh, renouveler complètement la musique lyrique et qui causeront une grosse émotion puisqu'il y aura évidemment une querelle entre les partisans euh, de l'opéra plutôt italien avec Piccini et les gluckistes. Ensuite, euh, je parlerai de l'opéra de la Révolution française à l'Empire. C'est une période très peu connue mais qui a été extrêmement euh, féconde dans le domaine de l'opéra avec des compositeurs qui s'arrangent avec les nouvelles tendances du public, tendances révolutionnaires, avec mais une tendance vers un opéra euh, toujours à grand spectacle, toujours euh, plus dramatique dans la lignée de la tragédie, car il faut penser que l'opéra en France reste depuis le XVIIe siècle euh, dépendant de la grande tragédie. C'est ce que l'on voit chez des compositeurs qui d'ailleurs souvent ne sont pas français, mais italiens, comme Spontini qui était un des compositeurs favoris de Napoléon Ier, ou euh, Cherubini qui a fait une grande carrière comme compositeur, puis comme euh, directeur du conservatoire jusque dans les années... Euh, 1840. Simultanément, se développe en France un genre déjà très présent au XVIIIe siècle et dont Mme Guiton-Lanquet vous aura parlé, c'est l'opéra comique, opéra qui n'est pas un grand spectacle, qui euh, présente des personnages euh, plus près du peuple. Ce ne sont plus des héros de l'Antiquité, ni euh, des héros de tragédie, mais des personnages un peu euh, ordinaires, comme euh, vous et moi, dans des, des intrigues parfois euh, pastorales. Et il y aura, il y aura là une... une une grande école d'opéra comique, une musique généralement extrêmement agréable, dont les principaux maîtres sont Boieldieu, Aubert, Hérold, Adam et même des compositeurs italiens comme Donizetti qui viendront à Paris créer des opéras français. À partir de la monarchie de juillet, après la révolution de 1830, l'opéra de Paris devient un centre international, le centre international d'art lyrique le plus renommé, bien plus que la Scala de Milan ou que n'importe quel opéra. Il le doit non pas seulement à la qualité de sa troupe, mais à des moyens techniques et des moyens financiers sans comparaison avec ceux des autres scènes. Donc il va attirer à Paris des compositeurs français, évidemment, mais aussi des compositeurs étrangers. Et euh, cela permettra de développer un genre qui a ses qualités et ses défauts qui a été beaucoup décrié, c'est ce qu'on appelle le grand opéra, non plus sur des sujets mythologiques comme autrefois, mais sur des sujets, des sujets historiques. L'exemple le, emblématique de cette tendance, c'est Les Huguenots de Meyerberg, créé en 1836, opéra qui met en scène le massacre de la Saint-Barthélemy, mais il y en a bien d'autres. Et là, comme ailleurs, les compositeurs étrangers seront évidemment intéressés, notamment Verdi, qui dès 1847 propose un nouveau titre à l'Opéra de Paris, c'est Jérusalem, Opéra sur les croisades, en attendant deux chefs-d'œuvre ultérieurs, l'Évêpre sicilienne à l'occasion de la grande exposition universelle de 1855 et Don Carlos à l'occasion de l'exposition de 1867. Vous voyez, euh, il y a une circulation des compositeurs, des idées et des styles qui fait que, comme on l'a dit, parfois on l'a regretté, l'opéra français et l'opéra comique français du XIXe siècle est un genre cosmopolite, mais qui, en retour, influencera bien évidemment les compositeurs étrangers. Chapitre suivant, germanisme et wagnerisme dans l'opéra français. Pendant que se développe à Paris le, le grand opéra historique... Un compositeur étranger de génie, Richard Wagner, euh, ronge son frère en Allemagne avec une existence particulièrement difficile, mais il a évidemment euh, en ligne de mire l'art lyrique français, les moyens lyriques de l'Opéra de Paris, qui lui feront euh, créer à Paris en 1861, au prix d'un scandale énorme, euh, une version française de son ouvrage antérieur, Tannhäuser. Et le, le Wagnerisme va évidemment influencer les compositeurs français plus on avance dans le siècle, plus l'influence va être euh, forte. chez berlioz, il y a une certaine concurrence mais une certaine défiance à la fin du xixe siècle, notamment avec les compositeurs de l'école de césar franck, comme franck lui-même, euh, vincent d'indy, euh, ernest chausson, albert Magnard, et même G gabriel fauré. Qui n'était pas spécialement compositeur franquiste, euh, l'opéra de Wagner, le Wagnerisme, les bases de l'opéra de Wagner et du drame musical vont pénétrer le style français. Enfin, euh, alors, au XXe siècle, l'opéra français ne crée plus de grands, de, de grands ouvrages à grand succès populaire comme c'était le cas au XIXe siècle avec des Faust, des Carmen, et des Werther, mais présente un certain nombre de chefs-d'œuvre. Singuliers qui n'ont pas fait toujours une carrière énorme. Parfois, oui, comme Pelléas et Mélisande de Debussy ou euh, les Dialogues des Carmélites de Francis Poulenc, encore en 1957. Je pense, par exemple, aux opéras d'Albert Roussel, dont son grand opéra-ballet Padmavati, qui n'a pas fait une grande carrière, mais qui n'allait pas moins un chef-d'œuvre. Il faudra donc, dans ce dernier chapitre, évoquer toutes ces nouvelles directions de l'opéra français au XXe siècle. Alors, je, retire, je retiendrai une chose importante, c'est que l'opéra français, ça il faut bien s'en persuader, est à la fois un genre typiquement national qui ne ressemble à rien d'autre, et en même temps plein d'influences étrangères qui fonctionnent à double sens, puisque l'opéra français reçoit des influences étrangères, mais suscite des influences chez les compositeurs étrangers. Merci de, ma, de votre attention et à bientôt pour des conférences.